Hello Delu. La vieille expression. Alors, salut tout le monde. Je vais la reprendre sage. T'arrêtes de faire du bruit. Bon voilà, il est là, il est voilà bien fait. Il est toujours casse-couille. En fait là on teste ma nouvelle caméra. Enfin c'est un appareil photo. Pour vloguer, vous allez me dire papa si c'est Noël bien. C'est papa Noël du mec du mercredi. C'est le papa Noël du mercredi qui m'a. Attends, d'habitude, à chaque fois que tu filmes, tu fais ça. Oui, mais là, t'es allé chercher le courrier. Le Spoon, il est déjà allé chercher le courrier. Arrête. Bref, voilà, on va vous montrer. On va essayer de voir si l'image est. Bon, on sait que l'image est bonne. Alors de temps en temps je regarde un peu en haut parce que l'écran est en haut et du coup on est tenté de regarder. Même si je me trouve très moche mais je regarde quand même. La voiture de Quadra. Voiture de Quadra. Mais je regarde, c'est lui qui regardait pas. Ouais, on est dans la voiture de Quadra. Ouais. De Mika. Il a une voiture de Quadra. Mais. Quoi? C'est vrai, non? Je vais pas citer la marque parce qu'on n'est pas sponsorisé, mais. Mais si, il a une Audi de Quadra. Bon, nous sommes en route. On va manger, si c'est encore ouvert, au Speakeasy à Nice. Voilà. Hey, ce soir tu te mets sur ton 31. Pourquoi à chaque fois que j'allume, il y a marqué mode grossissement parce qu'on voit. Voilà, on est dans le resto. On a retrouvé un monsieur que je voyais dans mes jeunes années il y a très longtemps. En fait, ici, mais ça fait depuis au moins 80, je sais pas, 95 que je viens. Je viens pas régulièrement, ça change entre temps à chaque fois. Enfin, ça change. Ça change pas radicalement. Hein. Moi-même, la cuisine, c'est le même genre de cuisine. La présentation est quasiment la même, mais bon, il y avait des fois des sets-service, des fois non. Bref, mais c'est sympa parce qu'en plus, on commence à discuter avec des gens et puis c'est des gens que je voyais aussi à l'époque. C'est marrant. Bon, ils se rappellent pas de moi, ils se rappellent de mon père, mais c'est pas. Et donc, on va manger. Oui, un peu. Ouais, au revoir Julien. Au revoir Jeanne. Bon après ce magnifique solo de piano. Merci. De Mika. Schubert. Quoi? Schubert. Non, voilà. On a fait fuir tout le monde. Mais t'as fini de manger, t'as non, non. On va ouvrir, c'est sûr. Non. Et on va bientôt manger.
peux prier tranquille. On a tout mangé, on a bien mangé, on a la peau du ventre bien tendue et maintenant on va se faire un couscous. Non. On va aller faire un petit tour et après on va faire dodo. Ouais, mais voilà, c'est pas moi qui vais dire c'est l'heure de la sieste, c'est toi cette fois. On verra tout à l'heure parce que c'est toujours moi qui dis c'est l'heure de la sieste. C'est toi qui dors. Mais c'est qu'il fait pas chaud les gars. Bon, on a bien mangé, franchement moi j'aime bien. Ouais, ouais. Et c'était très bon. Une bonne découverte pour moi, hein, au niveau gustatif, au niveau tarifique, au niveau... Il aime bien. Ah oui, par contre, c'est un peu cher. Non, non, franchement, non. Bah, t'as payé beaucoup, non? Non, non. Ah bon? En fait, donc, là, on a eu, ouais, mais on a eu le jus, l'entrée, le plat, le dessert. À deux, il y en a pour moins de 25 euros à deux. Hein, ah donc oui, c'est, vrai, ouais. C'est du 23 euros chacun, quoi. Ouais. Donc, ah oui, non, c'est normal. Bah, de toute façon, quand on va au resto, c'est à peu près le plus complet. Et... On y va pas tous les jours. Non. Et à la fin, elle m'a reconnue. Mais c'est parce que j'étais plus blonde quand j'étais ado. Ouais. Elle là, t'a reconnue parce que t'as appelé ton père. J'avais... Oui, j'ai montré mon père en fait. Ah oui, c'est bon. Mais parce que mon père, il a moins changé. Il est un peu blanchi, lui. Moi, j'ai un peu foncé, lui, là, il est éclairci. Et là, on est. Est-ce que t'as compris ce qui vient de se passer là? Regarde. Hey, salut! Voilà, on peut pas être boité. Ouais, on est à Nice Étoile. On va aller prendre un kawa. J'aimerais bien aller chez Sephora. C'est tout en fait. C'est ça la classe. On a Nice Étoile là. Toi, t'as pas la classe. Toi, t'as pas la classe. Parce que il sait pas très bien faire des rimes. On essaie de faire des chansons des fois, mais... C'est vrai que j'écris des chansons. Demande à ton frère, il est meilleur. Deux chats, alors tu sais, à la maison, les chats ils vont pas être contents. Hein. Le soir il fait le forcing pour dormir avec lui. C'est vrai? Et ça marche? Ah oui, mais moi je le prendrais d'office avant le lit. C'est le seul qui peut dire le vétérinaire. Il a dit qu'il faut pas qu'il dorme avec lui. Sinon, ouais. Zéro autoritaire. Ah, mais moi plus ils sont gros et plus j'ai envie de les mettre dans le lit et je parle toujours des chiens. Ah, pardon.
aucun souci. Joyeux pour non, mais par contre, bon, on a cédé pour le canapé, quoi. C'est pas possible. Non, mais comment on fait de ça? Il a marché ce matin, là. Petit cœur. Oh, dodo. Mais il peut monter sur les chaises, là. Mais maintenant, il a rien à sauter sur la chaise. Eh oui. Oui, toi, t'as sommeil. Oh, oui, t'as sommeil, toi. Comment il s'appelle? Morito. C'est la vie du M. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis on connaît bien, on voit c'est bien les parents. C'est Paris qui a choisi. Non, non, c'est si. Il est pourquoi pas Morito, c'est vrai. Soit Morito, soit Marvel. Morito, c'est mieux. Morito, c'est mieux. Morbac. Ouais. Quoi que Morbac, c'est rigolo. Ouais, ouais, mais bon. Oh là là. Faut assumer derrière. Hein. Petit morbac. Comme Morito. Comme Morito. Ouais, mais je sais pas si on assume plus. Bah, vaut mieux assumer un Morito que. Un Morbac. Une dizaine de morpions. Oui, il doit faire face là, parce qu'il est en train. Regarde, il a les petits yeux qui se ferment. T'as de la chance hein, d'avoir un petit chien comme ça. Ces histoires. J'avais pas vu que tu me filmais ce boon. Oh, genre. Non, non, je te jure. Voilà, je te jure. Écono. Ah bah avec moi tu peux. Hein. Même chat. Bon ben voilà, dites-moi ce que vous aurez pensé de l'image de mon vlog d'aujourd'hui. Pour le cadrage, c'est encore, il faut encore que j'apprenne à prendre la bête en main parce que c'est un peu pas évident. C'est un peu pas évident, on parle bien la France. Donc nous, pour l'instant, ça va être sieste et ce soir, ben, on va faire un repas tranquille pour le réveillon. Enfin, on est invité chez des amis, mais je sais pas si je filmerai. Donc si jamais je filme, je ferai un deuxième vlog. Voilà, à bientôt.